j'avais lu un peu plus, je sais pas ce que je serais, mais bon, ça m'aurait certainement apporté beaucoup plus de connaissances, on va dire. Je suis un fils d'immigré. Mon père est arrivé en Corse dans les années 50. Mon papa est décédé très jeune, j'avais 11 ans et demi, 12 ans. Après, j'ai eu un parcours en classe pas très flamboyant, on va dire. C'était pas trop mon truc. Je m'en suis rendu compte assez tôt. J'étais à Maginal, j'étais tout le temps dans l'eau, j'étais attiré par la mer. Quand on a un manque quelque part, on essaye de le combler par autre chose. Et c'est peut-être ça qui m'a amené vers la culture. En 2007, j'ai créé un magazine culturel qui s'appelait Chisim. Et en 2005-2006, est venu le théâtre. Donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui aujourd'hui est décédé, qui est Joe Fondage, qui m'a poussé vers le théâtre. Il m'a dit oh, tu veux refaire du théâtre, etc. Donc il faut lire, il faut apprendre des textes. Donc, je m'enregistre, je les écoute en boucle. Quand je m'endors, je prends un bouquin, je prends le texte. C'est pas facile, hein, mais ça me plaît. J'aime les choses qui ne sont pas faciles en fait. Aujourd'hui encore, à 70 ans, quand je vois des gens qui prennent un instrument, qui se mettent en danger, j'essaie de prendre le maximum pour pouvoir peut-être un jour redonner à mes enfants, petits-enfants, quelque chose qui me touche. Quelqu'un qui, comme moi, qui n'aimait pas lire, qui n'aime pas lire, etc. Donc à chaque fois que je peux conseiller, je peux amener à des personnes jeunes ou moins jeunes de faire du théâtre, d'avoir des passions, de faire de la musique, etc. Je le fais volontiers parce que c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est un développement, on peut grandir avec ça en fait.